Oh là, bouton. Où tu vas comme ça, hein? Je te posais une question, cabron. Dígame! ¿Qué es eso? ¡Mira! Merci beaucoup. Tu sais comment on va à Los Portales? Non, c'est... Pendejo, à la crâne. Où sont les autres? Ils sont... morts. Pas Hector. Hector est muerto, comme les autres. C'est un menteur. Si, un menteur, pendejo. Et qui les a tués? El gringo. Un aveugle. Il était aveugle. Mais il savait tirer, je vous jure. Il avait un bébé dans les bras. C'est vrai! L'aveugle qui a tué Hector. L'homme avec le bébé. Il t'a pas tiré dessus. Comment ça se fait, ça? Hein, Luis? J'ai l'impression que... vous en avez eu assez d'attendre. Moi aussi. Je commence à en avoir assez. Ouais, nous aussi. Roberto, tu prends Coyote et Vato, tu vas à San Pedro et tu ramènes Hector. Papa, il va bientôt revenir. Il est obligé. Et c'est vrai. Les soldats américains sont faits comme des rats. On n'a plus qu'à aller les cueillir. Il suffit de suivre notre plan. Ramène ton frère. Vamos. Ah. Yeah, yeah. À boire, jefe. À boire. Paul, donne-lui à boire. Tu vois pas qu'il meurt de soif. Si, à boire. À boire. Non. Non. Il va lui falloir 20 litres de mescal pour en faire passer le goût. Non. Plutôt quelque chose à manger. Rêver. Non. Non. Non, non, rêver. Thank you.
On ne veut pas de toi ici. Fiche le camp. Allez. Quitte la ville tout de suite. Compris? Bonjour. Il n'est pas bon pour tout le monde. Je suis à Los Portales. Non, à San Pedro. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Par la route. À cheval. Vous êtes aveugle? Vous savez, mon père, j'aime pas trop l'idée de devoir tirer sur un homme d'église. Mais je le ferai si vous ne jetez pas votre arme, monsieur le Saint-Homme. Doucement. Vous savez que je suis prêtre. Je les entends prier pour vous. Sergent! Quoi? Comment ça se fait qu'il ait pu rentrer en ville, celui-là? Faudrait demander ça à nos sentinelles. Qui est-ce qui garde le canyon? Stiggs et Beecham. Stiggs et Beecham. Et tu t'étonnes. C'est la bande d'Alacrin. Il les a tués à lui tout seul. Chanteux. Il va y avoir des représailles. Ça, c'est sûr. C'est pas possible. C'est quoi ce bruit? Ce bruit? Les Indiens disent que ce sont les dieux qui s'offrent une petite danse guerrière. À les entendre, ils ont un tempérament plutôt explosif. Vous désirez, monsieur? Un whisky. Et un peu de lait. Pour le bébé. J'ai pas de lait. Oh non, dis, tu veux un whisky? Pas de whisky non plus. Et vous avez des cigares? Désolé. Mais qu'est-ce que c'est que cette ville? Les hommes d'église y portent une arme? Les bars n'ont rien pour se désaltérer? Y a pas de quoi fumer? Hein? J'ai du mescal, c'est ma réserve personnelle. On s'en contentera. Je cherche une ville qui s'appelle Los Portales. Connais pas. Hector. Merde. Les Maccabées, ils sont à vous? On me les a vendus avec les chevaux. Ah, vous êtes un petit marrant. Qui êtes-vous? C'est vous le shérif. Disons qu'ici, c'est moi qui représente la loi. Ah, vous êtes soldat? Sergent Hastings, armée des États-Unis. Ah, ce foutu monde en est plein, pas vrai? Plein de quoi? Le trou du cul. Comment vous êtes arrivé jusqu'ici? Les hommes surveillaient le canyon. Attention à vous, sergent. Je cherche une ville qui s'appelle Los Portales. Vous savez où c'est?
Non, je connais pas. Bon, ben je n'ai plus qu'à reprendre ma route. D'abord, Wilcox. Ça suffit. Wilcox. J'ai dit ça suffit. Vous cherchez Los Portales? Je peux vous y emmener si vous nous aidez. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il fait pas partie de leur bande? Mais ouvrez les yeux, sergent. Est-ce que vous savez qui sont ces hommes? Ceux que vous avez tués? Pour être franc, non. J'ai pas pris le temps de les regarder. Ça fait 4 cents. 3 pour vous. 3? Ouais, ils se bougent pas du coude. Et ça les vaut bien. Il y a près de 3 semaines, les soldats ont été acculés jusqu'ici par Alacran et ses hommes. Il n'y a qu'une route pour quitter le canyon et ces bandits l'ont coupé. Mais sans vivres et sans médicaments. Sans whisky et sans lait également. Et qu'est-ce qu'ils veulent? De l'argent. Les hommes d'Hastings transportaient la solde de l'armée. Monsieur? Canaan. Je peux vous poser une question? C'est à la guerre que j'ai perdu la vue. On a du mal à le croire. Vous vous en sortez d'une façon admirable. Je suis très touché, docteur. Vous n'aimez pas tellement les docteurs, hein? C'est comme tout. Ce foutu monde en est plein. Je ne suis pas médecin, monsieur Canaan. J'ai servi comme infirmière, c'est tout. Mon rôle était d'aider les hommes comme vous à réapprendre à vivre. Avant toute cette histoire, nous vivions en paix ici, et je veux que cette paix revienne. Vous comprenez? C'est votre bébé? Elle appartient à une femme de Los Portales et j'ai promis à un homme de lui amener. J'ai du mal à trouver où c'est. La ville est petite? Oui, sûrement. Vous y avez quelqu'un? Mon frère. Elle a un nom? Non. Ce n'est qu'un bébé. Le pauvre homme est mort avant d'avoir pu me le dire. C'est dommage. Ouais. Dommage que j'ai dû le tuer. Hé, ils ont eu Styx. Tout ça va pas. Dehors, tête du haut, et dehors, celle du bas. Dépêchez-vous, c'est pas le moment de traîner. Styx est mort. Salaud. Allez, fumier, ils ont Bicham. Ils s'amènent. Dès que tu peux, tu me descends celui qui tient le fusil. C'est très bien. L'argent. Pas question. Dites à Alacran que c'est la propriété du gouvernement des États-Unis. Prévenez votre chef qu'un régiment de cavalerie vient à notre secours. Des centaines de fusils. Ah oui, des centaines. Et qu'est-ce qui va les apporter, ces fusils, hein? Fais voir. Est-ce que c'est Moody? Walker? Attends, c'est pas tout. Gant, O'Reilly, Percy, la liste est longue, sergent. Tu veux que je les énumère tous? Si? Bennett, Callum. Tais-toi et va te faire pendre! C'est déjà fait pour ces soldats. Alacran les a pendus pour les vautours et les coyotes. Il est temps de se montrer raisonnable, hein? Ces braves villageois ont assez souffert pour ton gouvernement. Ils ont faim. Et les vivres n'arrivent plus. Merde. La route est à Alacran. La route de San Pedro, la route de l'enfer.
prêt. Attention. Soyez prêts à tirer. Hector. Qui a fait ça? Il se dénonce ou je vous tue tous! Alors, qui c'est? Très bien! On va tous vous tuer un par un! C'est votre dernière chance! Je suis à ta disposition. Oh. Jette ton arme ou je le descends! Par action, je ne suis pas. Faites ce qu'il dit, rendez-vous! Jetez votre arme, il tient à mes ordres! Jette ton arme! Accepte mon repentir et accorde-moi la rémission de mes péchés maintenant que je vais mourir au Dieu du ciel et des hommes. Pitié de ton serviteur, accueille-le près de toi et dans ta grande mansuétude, fais qu'il puisse. Espèce de fumier! Oh, merde! Entrez-le! Vite! Vite! J'ai dit, faites marche arrière. Avancez! Avancez! On est réveillé. Où sont mes lunettes? Je les ai mis. Je veux mes lunettes! Lucille, rassurez-vous, elle dort comme une marmotte. Quel nom avez-vous dit? Lucille. Il lui fallait un nom, monsieur Canaan. Tout enfant a un nom. Il ne me plaît pas. On dirait le nom d'une pute. Ah? Et que suggérez-vous? Je vous suggère de vous mêler de... Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur de vous y attacher? Sachez que moi, je n'ai peur de rien. Le contraire m'eût étonné. Si j'avais voulu lui donner un nom, j'en aurais donné un. Et certainement pas un nom aussi ridicule que Lucille. C'est pas... Votre quoi? Elle est sous ma responsabilité. Ce n'est pas une responsabilité, c'est un bébé. Elle a besoin d'amour. Et elle ne peut aimer quelqu'un qui n'a même pas la décence de lui donner un nom. Si vous ne pouvez pas faire ça, monsieur Canaan, laissez-la moi. Je lui trouverai quelqu'un qui pourra. On vous a déjà abandonné. Quand est-ce qu'on part? Quoi? Vous deviez m'emmener à Los Portales. Quand est-ce qu'on part? Vous deviez nous aider. C'est ce que j'ai fait. Bonsoir, madame. Joss, à la fenêtre. Franck, à la porte. Je dois vous dire que j'aime pas ça. Je vous avais dit de venir seul. Ce sont mes hommes. Rompez
Mettez-vous en faction dehors. Oui, sergent. Ils vous plaisent pas, mes hommes? L'un d'eux m'a tiré dessus hier et effectivement, ça ne me plaît pas. Impossible! Celui que vous aviez posté dans le clocher, il m'a tiré dessus. Aucun de mes hommes n'était absent. Messieurs, asseyez-vous. Je vous sers à boire. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Ma réserve personnelle. Comment est-ce qu'un Mexicain de carnaval arrive à tenir par la peau des couilles tout un régiment de vaillants soldats? Ça, c'est nos affaires. Combien d'argent est-ce que vous avez, sergent? Une tonne. Et combien au juste vous seriez prêt à me donner? Quoi? Si je fais en sorte d'aller chercher des renforts pour vous sortir de là. Je vous avais dit qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Lui seul peut vous aider et j'estime qu'une récompense serait de bonne aloi. Voilà qui est censé. Sa seule récompense devrait être, madame, de servir les intérêts de son pays. Ce que je dis vous fait rire. Mon pays. Ouais, votre pays, les États-Unis d'Amérique. Sergent, mon pays commence et se termine ici. Et votre pays va devoir se fendre d'un petit pourcentage pour se payer mes services. Quoi? 10%, 100 kilos en lingots d'argent. Et comme je suis grand amateur de cigares, ajoutez donc quelques cigares cubains. J'apprécierais beaucoup. Vous pouvez faire une croix sur vos ambitions. Mes soldats sont morts, vos soldats. Vous avez tout un régiment pendu à un arbre à l'heure qu'il est. Ils sont tous morts. Comme vous le constatez, le choix est simple. Un aveugle. Et comment tu sais que cet homme est aveugle? Il avait une canne pour le guider? Non. Une coupelle en métal pour demander l'aumône? Non, il n'avait pas de coupelle, mais il avait des lunettes noires. Alors parce qu'un homme porte des lunettes noires, toi t'en déduis immédiatement qu'il est aveugle. T'es encore plus idiot que Louis. Cet homme a tué 5 de mes meilleurs hommes. Il va tuer mon fils. Je lui avais appris à tirer, à monter à cheval. Un garçon qui a tué 23 hommes à lui tout seul. 23, Roberto. Et toi, tu voudrais me faire croire qu'il s'est fait descendre par un aveugle? Le monde court à sa perte. On va aller à San Pedro et on va prendre cet argent de force. On a perdu 6 hommes la dernière fois qu'on a essayé. Ces salauds ont fortifié l'église. Écoute, on avait dit que... Un homme n'attend pas. S'il veut quelque chose, il le prend. Sumner, va à Chanto. Va trouver Mickey. Ensemble, on prendra San Pedro. Oui, chef. Bull. Viens contigo, amigo. Va à San Pedro. Trouve-moi cet aveugle. Et fais-lui la peau. L'aveugle est à moi, papa. Crève-lui les yeux, à ce gringo. Et apporte-les-moi. Ouais. On verra bien qui est aveugle. Tu le tiens? Ouais. Fais attention. Ouais, ça pèse lourd. Compte. 200 kilos. Vous n'avez rien oublié? Non. Celle-là, c'est...
paraît qu'ils sont roulés sur les cuisses des jeunes vierges cubaines. Quel parfum. Ils viennent pas de Cuba. Et alors, on peut toujours rêver. Ouais. Je veux ce coffre dans ma chambre. Non, pas question. Il restera en ville tant que vous m'aurez pas ramené des renforts. En ville, mais... pas ici. Canaan. Comment je vais justifier cette perte? Vous n'aurez qu'à dire que c'est tombé du chariot quand vos hommes et vous avez pris la fuite. Saleté de fils de pute. Supportez pas la concurrence. C'est ça qui s'en aille, on est dans la merde. Allez, c'est un gain. C'est une honte. On est craché sur un prêtre. C'est une honte. Je pense que... Oui. Bien me jeter cigare. C'est un cadeau du gouvernement des États-Unis d'Amérique. C'est une mauvaise habitude. Je sais, mais je m'en voudrais d'insulter tous ces hommes courageux qui défendent leur drapeau. Pour qui vous battiez-vous? Dieu. Oh, Seigneur. C'est douloureux. Oh, Seigneur. Tenez ça. Inspirez. Oh. Inspirez. Doucement. Normalement, elle ne devrait plus téter. Vous pourriez peut-être amener une vache laitière en ramenant la cavalerie. C'est peut-être pas très bon pour la petite. Il est possible que sa mère ne soit pas en mesure de lui donner le sein. Je tâcherai de réfléchir à la question. Vous devriez vous coucher. Vous devez vous reposer avant de vous en aller. Je pars cette nuit. Ce n'est pas très raisonnable. Ce sont les ordres du docteur? Oui, ce sont les ordres du docteur. Voilà ce que je vais faire. Je tâcherai de réfléchir à la question. Je lui disais justement qu'elle aurait des ennuis avec lui. Mesdames. Oh, bonjour, monsieur. C'est quoi ton nom? Foller. Ernie Foller. Et vous pouvez m'appeler Ernie, comme tout le monde ici. Est-ce que ce bar est à l'image de son odeur? Non, pas du tout. Il y a de belles tentures de satin, des dorures partout.
Plus que dans un bordel de San Francisco. Des chandeliers de cristal. Des tas. Faut voir le bar, il est tout en marbre. Vraiment, il est beau comme tout. Tenez, je l'ai fait venir d'Italie, ce marbre. Tu devrais vendre des salades. Tu te ferais des couilles en or. C'est vrai ça, monsieur. Mais comme vous ne voyez pas, c'est pas plus mal que ce soit joli. Tu es un sage. Oh, je suis qu'un barman. Vous comptez partir cette nuit ? C'est ce que j'ai prévu. Vous ne vous vexerez pas si je vous dis que... Vas-y, parle. Vous avez plutôt l'air d'un mendiant que d'un soldat. Ah oui ? Moi, je me trouve bien. Ernie. Aujourd'hui, je trouve que j'ai autant de panache qu'un chevalier en armure. Non, non, monsieur Canaan. Je vous la donne. C'est vraiment généreux. Ce pauvre fou risque d'en avoir plus besoin que moi. J'ai entendu. Que ça peut vous faire. Vous aviez la clé ? Non, c'était ouvert. Merde ! Ce revolver est vide. Celui-là est vide. Celui-là a des balles. Maintenant, il est vide. Vous êtes en retard. Où est Bull ? Mort. Je lui ai donné les derniers sacrements. C'était mon meilleur couteau. Qu'est-ce que tu as d'autre à me dire, padre ? Les soldats ont fait un marché avec l'aveugle. Cette nuit, il ira chercher des renforts. On sera là pour l'attendre, ton aveugle. À la crâne ! Les soldats mettent à sac mon église. Ils pissent par terre.
Il jure devant la Sainte Croix, à la crâne. Bientôt, padre. Perds pas la foi. Vamonos. Quelle heure est-il ? Il est 8 heures. Du soir ou du matin ? Du soir. Où sont mes lunettes ? Je vous les apporte. Le bébé a faim. Partez pas. Pour que ces enfants de putain me prennent pour un minable, ça, pas question. En plus, on a conclu un accord. Oh. Je n'ai pas de frère. Quoi ? J'ignore où est Los Portales. J'ai menti. Oh. C'est sûrement une toute petite ville. Alors vous restez ? Il y a d'autres choses en jeu. Ah.
voilà, sergent. Merci. Il y a un poste d'avant-garde à près de 12 km à l'ouest. Ils ont un régiment de cavalerie, ça devrait suffire pour nous sortir de là. On leur donnera ce pli. Vous avez dit que tous vos hommes étaient là pendant la fusillade. Ouais, alors? Aucun n'était posté dans le clocher? Aucun. Où était le prêtre? Prêtre? Est-ce qu'il sait que je pars cette nuit? Tout le monde est au courant? Ça ne m'étonnerait pas. Souhaitez-moi bonne chance. Allez donc griller en enfer. Mais j'y vais. J'en connais un qui va avoir le feu aux fesses. Et toi aussi, tu l'as, mais pas pour les mêmes raisons. C'est fini de vous tourner les pouces. Au travail. Ouais, ouais. J'ai dit halte. Il y a deux chevaux quand tu prends en charge. Sergent, il y a un cheval déféré. Attention, laissez passer. C'est vite, là. Poussez-vous. Ouais. Il est aveugle, ouais. Le voilà, mon capitaine. Comment vous appelez-vous? Canaan. Monsieur Canaan, connaissez-vous la teneur de cette lettre? Il est aveugle. Vous m'énoncez une évidence, soldat. Eh bien, il me semble vous avoir posé une question, citoyen. On m'a dit de parler à l'officier responsable. Je suis l'officier responsable. Oh, alors, c'est vous le chef? Il est écrit, je cite, l'homme qui est porteur de cette lettre ne s'acquitte de sa mission qu'en échange de 100 kilos d'argent en lingots. Cela est-il exact? Est-il exact que vous avez tenté d'extorquer 100 lingots d'argent? Il y a 12 kilomètres, vous feriez mieux de vous mettre en route. Je ne crois pas que vous soyez habilité à nous donner des conseils, citoyen. Vraiment? Ce citoyen était un anti-État. Est-ce que ce citoyen a bien pu voir comme bataille dépasse votre entendement? Retenez-le! Tiens-toi tranquille! S'il arrive du mal aux habitants de cette ville, je vous tuerai.
et puis je tuerai tous ceux que vous avez jamais aimés. Est-ce que c'est clair, soldat? Emmenez cet homme! Allez! Devrait être tué pour les avoir laissés passer. Mais j'ai l'impression que je vais avoir besoin de tous mes hommes. Et même d'un pauvre merdeux comme toi. Coupe plus l'oreille. Oui, mais la gauche. Sommeur. Il y a du café tout chaud. Pas ici. C'est bon. Allez, viens. Où sont les autres, Sommeur? Ils ne vont pas tarder. Bien. La cavalerie vient en renfort. Oh oui. Vous devez vous ennuyer à mourir dans le coin. Quand ils vont revenir, on va vous pendre. Ça vous fera de la distraction. Vous attrapez quoi comme ça? Les mouches. C'est vrai, ça? Faites voir. Wow! Alors ça, c'est dingue! Vous êtes aveugle! Énoncer une évidence. Soldat. Pire que des animaux. Rien à signaler, capitaine. À part d'autres pendules le long de la route. Ils ont été prévenus de notre arrivée. Ils sont sûrement repartis pour le Mexique maintenant. Les lâches. Se sont enfuis. Allons assurer Hastings de la victoire. En avant, marche! Compagnie, chargez! Compagnie, chargez! Regardez, ne les fera pas venir plus tôt. Qui ça? Mais les renforts, Bicham. Jeune homme, s'il devait venir, il serait déjà là. Ouais, bah c'est pas ce que le sergent dit. Le sergent, c'est le pire de tous. Je te conseille de surveiller tes paroles. Ça fait 20 ans que je suis dans l'armée. J'ai connu Sherman, c'était une ordure. Mais lui, au moins, il savait sonner la retraite. Nous, on a reçu des ordres. Des ordres? Des ordres. C'est bon quand il faut se battre pour sauver son pays ou la vie d'un camarade, ou encore pour défendre une grande idée. Mais là, je ne vois rien de tel. Je te dis de la boucler. Se faire tuer juste pour du métal, moi, ça me rend malade. Arrête, ça suffit! Je vais te dire, ils peuvent le prendre, moi j'en ai rien à faire. Tu n'es qu'un lâche, voilà pourquoi. Un lâche? Ou encore mieux être un lâche qu'une pauvre cloche. Sergent, sergent, c'est Micha, il m'a tué le pied. Arrêtez! Arrêtez, je vous dis d'arrêter! Vous pourriez me dire ce qui se passe? Rien de bien méchant. Rien, sergent. J'espère. Je vous interdis de vous battre dans les rangs. On a un ennemi commun et on a reçu des ordres. Des ordres? C'est exact, soldat. Nos ordres sont d'escorter ce convoi et d'assurer sa sauvegarde au péril de nos vies. Suis-je assez clair? Suis-je assez clair? Oui, sergent. Oui, sergent. Bien. Bien. Écoutez, écoutez. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais aller voir ce qu'il y a. Non. Oh, restez à votre poste. Oh. Oh. Doucement. Du calme, qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Une embuscade. Trop nombreux. Excusez-moi, soldat.
Excusez-moi, ça va aller. Ça va aller. Aucune chance. Rien à faire. Ça va aller. Calmez-vous. Aucune chance. Calmez-vous. Ça va aller. Vous ne pouvez rien faire pour lui. Il a besoin d'aide. Il lui faut un prêtre. Oh. Cet homme est mourant. Oh. Cet homme est mort. Regardez-le. Il est entre les mains de Dieu maintenant. Écartez-vous de cet homme. Il n'y a plus qu'à prier pour son salut. Ô Seigneur, toi, le Dieu des vivants, nous remettons entre tes mains ce brave soldat mort d'avoir trop aimé son pays. Au moment où la mort nous enlève, ouvre-lui les portes de la vie éternelle. Accueille-le. Votre avis, sergent ? Ta clarté. Accorde-lui le plaisir. Ça a l'air d'une ruse. C'est le goûter à tes côtés. Le bonheur éternel. Sergent, c'est Radfir du 5e. C'est un bon soldat, je le connais bien. Eh ben, ton Radfir a retourné sa veste. Aucun soldat digne de ce nom déserte son régiment. Et qui vivent désormais. Non, sergent, ce n'est pas. Tous les saints, nous allons dire notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit. Tout le monde à son poste. Votre règne arrive. La cavalerie va plus tarder. Nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Arrêtez vos boniments et débarrassez-nous de ce corps. Nous t'en supplions pour nous-mêmes et pour ton serviteur à l'heure où il va contempler. J'ai dit arrêtez vos boniments! Dieu vous maudisse. Vous et vos pareils. Enlevez-le de là. Aveugle. Oh. Tu as tué mon fils. Oui, c'est ce qu'on dit. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? C'est de tes lèvres que je veux l'entendre. Il devait mériter ce qui lui est arrivé. C'était une sale engeance. Partez. Tous. C'est à lui de le tuer. Il doit venger son fils. J'aimerais que tu me dises une chose. L'odeur de la peur, qu'est-ce que ça sent? Le lait aigre. Mon fils Hector. Est-ce qu'il il est mort avec cette odeur? Non. Mais tu la portes sur toi en cet instant. C'est dommage que tu n'aies pas de famille. Parce qu'alors je t'aurais pris ce que toi tu m'as pris. Ah, tu es de la race des chacals. Tu n'as que du sang pourri dans les veines. Et ce sang, je vais te le prendre. Tu vas mourir, Puto. Sale fils de pute! Pendant ton agonie, pense aux habitants de San Pedro, ceux qui t'ont recueilli. Pour ça, ils vont souffrir. Vamonos. Allez, en route, on a du travail.
Qu'est-ce qu'on va faire? Sergent! On suit les ordres. On garde le convoi. On n'a plus que 6 hommes. Nous attendons des renforts. Sergent, les renforts ne viendront pas. Nos cavaliers sont morts. Tout le monde sait qu'ils sont morts. Moi, je ne le sais pas. Mais supposons que ce soit le cas. Que nous suggérez-vous de faire exactement? Je dis qu'il faut se rendre et tout sera fini. D'autres suggestions? Bien. À vos postes. Décide à me donner un coup de main. Tiens, je t'oublie pas. Pour Dieu, ma patrie, pour moi avant toute chose. À la crâne. Vous deviez chasser les hérétiques de mon église. Manière, hein, padre. D'abord, nous mangeons et nous buvons
un verre de mescal. Et on ira tuer tous les soldats. Et après ça, on se rendra tous à l'église pour célébrer la messe. Il y a trop longtemps que j'attends. J'exige qu'il quitte ma ville. Papa. Ta ville. San Pedro n'appartient qu'à moi. Hein? Écoute, comme je respecte notre Seigneur, j'épargnerai l'église. Mais la ville, je vais la brûler. Vous êtes pire que les soldats. Ça, c'est vrai. Mais nous, au moins, on est de bons catholiques. Hein? Maintenant, va-t'en, vilain corbeau, que mes hommes s'amusent comme il faut. Magnan. Dynamite. Médecine. Médecine. Dynamite. Bon. Toute nouvelle infirmière en ville. Bonita? Oui, bonita. Bien. Il va me l'amener. Après les funérailles, je lui ferai sa piqûre. Roberto. Ok. Avec Rémic, tu rassembles tous les hommes et tu les enfermes dans la cantina. Tu me les surveilleras jusqu'à ce qu'on ait enterré Hector. Je manquerai les funérailles. T'as pas assez prouvé ta valeur pour prier pour l'âme d'Hector. C'est toi qui m'as empêché de tuer l'aveugle. Qui a enterré mon frère? Je vous ai posé une question.
Hector? Là-haut, sur la colline. Tu vas le déterrer! Alacrane veut lui offrir une tombe digne de lui. Ça fait 3 jours qu'il est enterré. Quoi? Tu la fermes et tu fais ce qu'on dit. Je vais le déterrer. Ouais. Nous voulons cet argent! Ouais! Il nous appartient! Ouais! Il est à nous! Sergent! Soyez raisonnables! Venez donc chercher! Ne nous forcez pas à ouvrir le feu sur des innocents! Sortez, vous éviterez un massacre! Allez au diable! Cabron. Vous êtes vraiment très bêtes! Est-ce que vos hommes sont aussi bêtes que vous? Mes hommes sont des soldats de la cavalerie des États-Unis! Ils sont prêts à mourir pour leur pays! Sauf votre respect, sergent. Là, vous vous fourrez le poids dans l'œil. Ne tirez pas! Non, ne tirez pas, attendez. Le sergent est mort, on se rend! Bien. On sort! Cette tombe est pour moi. Je déterre Hector parce qu'Alacrane veut l'enterrer lui-même. Il est cinglé. Non. Il a de la peine. Non, moi. Je suis cinglé. Toi, tu m'accompagnes. Allez. Pose le bébé. C'est rien. C'est rien. Pose le bébé. Sumner a raison. Tu es muy bonita. Mi padre, il veut te faire l'amour après l'enterrement de mon frère Hector. Pero j'ai envie de passer avant lui, moi. Tu ne veux pas, je tue le bébé. D'accord? D'accord. D'accord. Bien. Tu es une grande fille. Déshabille-toi. Obéis. Bien.
Bonjour, devinette. Bonjour, devinette. Qu'est-ce qu'on me sert au petit déjeuner? Des œufs brouillés. Alacran désire que le cercueil soit ouvert. Oh. Oh non, mon père, ils sont trop mauvais. Vous dites la messe? Ben, évidemment. Vous ne devriez pas la dire, mon père, pas aujourd'hui. Ne dites pas de sottises. Allons plutôt prendre un verre chez moi. Après les funérailles. Non! Venez. Après les funérailles. Il veut pas venir. Qui ça? Le père Malone. Ouais. On brûlera un cierge pour lui. Le voilà. Levez-vous. Découvrez-vous. Ils ont l'air bien respectueux. Je leur avais dit de se découvrir. Tout le monde est là? Oui, monsieur. Vous avez apporté l'argent dehors, comme je vous l'avais demandé? Oui, monsieur. Parfait. On peut commencer la cérémonie. Qu'est-ce qu'il y a? Il a trouvé la mèche. Mais ils vont tous nous tuer! Je l'ai perdu. Donne-la-moi. Pardon? Donne-la-moi. Vous avez dit que je voulais que le cercueil soit ouvert. Hey.
Ciego. L'aveugle. Est-ce que tu m'entends? Hein? Moi? Je t'entends plus. Par contre, je te vois. Hein? Réponds. Poverito. T'es sourd maintenant. Hein? Sourd et aveugle? Ni yeux, ni oreilles. T'es qu'un fer de terre. Et ça, c'est pour Hector. Pas. Et je ne t'entends pas. Seulement tu schlingues. T'es qu'un sac à merde, connard. Avec l'explosion, l'argent s'est dispersé un peu partout. Il servira à rebâtir une église. Sans prêtre? Bah, ce foutu monde en est plein. La voilà. Attention. Hé, hey, Doudou. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de frère à Los Portales? J'aimerais pouvoir vous dire où c'est. Personne ne connaît Los Portales. Vous êtes sûr que ça va aller? Ça ira très bien. Plus de bourdonnement dans les oreilles? Quoi? Non. Plus de bourdonnement. Il a peut-être menti. L'homme que vous avez tué. Peut-être que Los Portales n'existe même pas. Possible. Mais j'ai fait une promesse. Je sais. Qu'est-ce que vous pensez de Nell? Nell?
comme nom pour le bébé. Provisoirement. Nels, c'était le prénom de ma mère. Je trouve ça très joli.